Présentement, centre-ville, moins 13 degrés. Ici Richard Noël et les informations de 21h55. Selon différentes sources d'informations, le chef de la police de la CUM, Roland Bourget, réunira demain après-midi son état-major. Les mêmes sources révèlent qu'il pourrait annoncer sa démission. Il quitterait ses fonctions pour aller travailler au sein d'une agence gouvernementale. L'opposition songe à organiser son propre sommet sur la langue, puisque le gouvernement Bourassa s'y refuse. Le gouvernement se contentera de son côté de soumettre sa réglementation sur l'affichage à des commerçants. Cette correspondance de la vieille capitale. Le gouvernement Bourassa cherche encore la définition finale du concept de prédominance du français dans l'affichage intérieur. On en a une. Mais de toute évidence, ce sont les commerçants qui décideront de son application. Le ministre de la Langue, Guy Rivard, se contentera en effet d'expérimenter auprès des commerçants sa réglementation avant de la publier. On va travailler avec les gens qui vont utiliser cette réglementation-là et c'est eux qui vont nous dire si ça a de l'allure ou ça n'a pas d'allure. Le gouvernement Bourassa a complètement écarté l'idée d'un sommet ou d'une commission parlementaire sur la langue. Pour le chef péquiste Jacques Parizeau, c'est dangereux. Quand on a décidé, comme a décidé le premier ministre, de faire à nouveau bouillir la marmite, on ne peut pas d'autre part chercher à visser le couvercle sur la marmite. Parce que quelque chose va se passer. L'opposition songe donc maintenant à organiser elle-même des états généraux sur la langue. S'il faut le faire en dehors du Parlement, on va le faire en dehors du Parlement. Mais c'est pas normal que ça se passe en dehors du Parlement. Ici Michel Dolbecq à l'Assemblée nationale. L'Ordre des pharmaciens du Québec a profité de la semaine des non-fumeurs pour lancer un appel aux pharmaciens à ne plus vendre de produits de tabac ou à tout le moins à cesser d'en faire la promotion. Et plus de la moitié des Québécois souhaitent que les gouvernements imposent des mesures encore plus sévères pour combattre le tabagisme. C'est ce que révèle un sondage réalisé par la maison Léger et Léger à l'occasion de la semaine des non-fumeurs qui débutera demain. Un appareil CF-18 en mission d'entraînement de routine s'est écrasé aujourd'hui à une soixantaine de kilomètres de la base de Cold Lake en Alberta. Le pilote de l'appareil a été tué. La Commission des relations de travail fera connaître mardi le nom de celui qui dirigera le syndicat le plus important de Postes au Canada, avec ses 45 600 membres. Deux candidats sont en lice, Jean-Claude Parot, président du syndicat des postiers, et Bob McGarry, président du syndicat des facteurs. Le vote se terminera vendredi à 16h. Les bulletins seront alors acheminés à la Commission des relations de travail qui les dépouillera mardi. Reprise des négociations à Toronto entre les représentants de Radio-Canada et ceux de ses 2000 techniciens dans un ultime effort visant à éviter le débrayage des syndiqués. Les pourparlers ont repris à la suite d'une rencontre qualifiée de fructueuse hier entre le syndicat et le président de Radio-Canada, Pierre Junot. Les pourparlers achoppent au chapitre salarial. Les 151 délégations participant à la conférence sur l'interdiction des armes chimiques à Paris ont mis fin aujourd'hui à leurs travaux en signant un document commun dans lequel elles demandent l'élimination totale des armes chimiques. Un violent incendie avec des flammes atteignant plusieurs centaines de mètres s'est déclaré dans une zone industrielle du nord de Mexico, faisant un nombre indéterminé de victimes. On ignore encore s'il y a des morts ou simplement des blessés. Le Conseil de sécurité de l'ONU a accordé aujourd'hui un privilège d'État à la délégation de la Palestine, en dépit de l'opposition des États-Unis et de l'abstention du Canada, de la France et de la Grande-Bretagne. Les prévisions de la météo pour les régions desservies par ces cavaillons. Ce soir, passage nuageux, cette nuit ennuagement, minimum moins 16 à moins 20. Jeudi, faible neige, se changeant en pluie au cours de l'après-midi, maximum près de plus 3. Centre-ville présentement, c'est moins 13. C'était notre bulletin majeur de la soirée. C'est